On vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Oui, je dis bien on, vous l'avez bien entendu. Parce que je ne suis pas seul, ça ne vous aura pas échappé. Je suis avec mon ami Arthur Sorbo qui est à ma droite, qui est à moitié en chair et en os. Il le sera totalement à partir de avril 2017, le mois où j'aurai terminé ma collection grandeur nature de ce corps humain. J'aurai tous les organes à partir de ce mois-là et tous les os. Ben, pour l'instant, je n'ai pas encore les jambes, je n'ai pas tout ce qui est le bas et les bras, tout cela. Hein. Là, il a à moitié son bras pour l'instant. Bon, il faut être patient, hein. Pièce par pièce, semaine après semaine, j'obtiendrai tout de ce corps humain qui me fascine énormément. Il fait 1m10 au total et ça devrait me remotiver complètement et davantage à vous faire des bilans de médecine à partir de ce mois avril 2017, retenez-le bien. Donc oui, plus sérieusement, je vous souhaite un excellent réveillon de fin d'année, que j'espère que cette année vous aura été propice. En tout cas pour moi, oui, elle a été à la fois épanouissante et très riche au niveau de ma vie personnelle, surtout avant tout, mais aussi ma vie virtuelle qui est YouTube, tout cela. Je veux dire par là où ça a été une année qui a été merveilleuse à tout point de vue au niveau des statistiques, en termes d'abonnés, de visionnements, de commentaires, tout cela. Il y a eu nettement plus de personnes qui m'ont connu non seulement et qui m'ont commenté et qui ont resté plus longtemps sur mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. L'année 2016 a été pour moi l'année de la modernité. Effectivement, je me suis amélioré dans le gaming, encore une fois, parce que là, je ne filme plus mes gameplays sur mes anciennes télévisions avec les gros derrière. Cette fois-ci, grâce à mon frère Hank, bien, j'ai filmé mes gameplays sur une télévision en HD, donc du coup ça vous a beaucoup fait plaisir, et moi le premier surtout, hein, parce que bah, vous avez été très satisfait du résultat, très content, et donc ça a redonné un gaz supplémentaire à ma chaîne, ça a redonné un nouvel élan on va dire, hein. Et j'espère que 2017 sera dans la continuité, ça c'est sûr et certain, hein, je ne doute pas là-dessus, mais je penserai surtout pour 2017 à faire plus de vidéos du corps humain, ça c'est clair et net, parce que c'est vrai que cette communauté-là, je l'ai un petit peu délaissée depuis avril 2016 justement, hein, que je n'ai plus refait de vidéos du corps humain, donc c'est dommageable, c'est un peu regrettable, mais bon. Je ne vais pas me forcer à faire un sujet, et en plus de ça, il faut que je le maîtrise. J'ai encore pas mal de sujets à traiter, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai encore, par exemple, à parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, du système digestif en globalité, ou encore la sinusite, certaines vitamines, ou encore le jeûne, quand on est à jeun, vous savez. Tout cela, il y a des domaines qui sont multiples et que je dois encore parler en vidéo. Donc, ne vous en faites pas, ce ne sont pas les sujets qui manquent, hein, loin de là. Voilà. Bon, je vais pas vous accrocher la jambe plus longtemps que cela. Le gameplay qui va suivre, ce sera sur GTA Vice City, le dernier défi, la dernière épreuve du stade Iman Memorial, donc de ce jeu, avec la motocross, la Sanchez. Vous voyez voir si je vais réussir ou pas. L'idée, c'est que je récupère toutes les sphères en moins de 5 minutes. Si ce n'est pas le cas, j'aurai donc perdu. Voilà, et j'espère que cela vous satisfera autant que les autres vidéos. Même si je sais très bien qu'il y en a qui m'ont déjà dit « Ouais, mais sur tes défis, il n'y a même pas une vingtaine de personnes qui te suivent, une vingtaine de vues, trentaine, tout cela. » Oui, c'est vrai, c'est très peu. Comparé à d'autres concepts que je mets sur ma chaîne, c'est très peu. Mais ce n'est pas grave, puisque les personnes à qui je fais le plus confiance, comme mon ami Florian, mes amis, hein, Florian notamment, et Alexandre, ou encore Gorminado, eux, ils sont toujours présents. Ils répondent présents à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est ça qui me satisfait le plus. Et comme un abonné m'a déjà dit aussi une fois, merci Toto, il n'aurait que même pas une dizaine de personnes, il est content. Et je dois avouer que oui, ça me satisfait. Au moins, je préfère avoir une dizaine de personnes, mais qui sont sincères, qui sont honnêtes, hein, que d'avoir une centaine, mais qui ne le sont pas. Ou plutôt qui sont un peu du genre faucheton, tout cela. Hein. C'est très important, et sur YouTube, comme je le dis souvent, on peut être n'importe qui et faire n'importe quoi. On peut être monsieur, madame, tout le monde, évidemment. Voilà. Bon allez, je vais pas vous accrocher la jambe plus longtemps que cela, c'est parti, place au gameplay. Encore une fois, je vous souhaite donc un excellent réveillon de fin d'année, que ce soit une bonne fête pour vous. Et voilà, je laisserai le mot de la fin à mon ami Arthur. Ah, pour l'instant, il n'a que ses deux poumons, sa trachée, quelques artères et veines, le cœur, le pancréas et également les reins. Mais il s'étoffera au niveau de ses organes et os avec le temps. Hein, Arthur ? Oui, faut être patient. J'ai hâte. Moi le premier. J'ai carrément un camion pour aller au stade. Non mais vous imaginez ? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Il se nommait Yankee, il me semble. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Vice City toujours, un autre défi. Celle avec la motocross, Dirtwag. L'idée consiste à récupérer très simple toutes les sphères, les points de passage, les obtenir, les récupérer, donc, hein. Il n'y aura pas de limite de temps, il n'y aura pas d'opposition, pas de concurrence, donc du coup, là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par rapport à GTA San Andreas, et dans LCS, il y avait un défi de ce style,
Il y avait une limite de temps. Là non, pas du tout, c'est bien. Malheureusement, l'ergonomie, elle est tellement médiocre et assez mauvaise que, bah, faut bien même très frustrante et crispante que ça va générer beaucoup de stress pour ma part. Et je vais bien galérer, hein, parce que malheureusement, oui, par rapport à l'état San Andreas, la maniabilité est affreuse dans ce défi, quoi. Sur PlayStation, du moins. Vous me direz aussi en commentaire pour les joueurs PC. Et c'est très important, écoutez bien ce que je vais vous demander. Est-ce que vous pouvez orienter la caméra là où vous le désirez? C'est-à-dire qu'en fait, sur PlayStation 2, par rapport à San Andreas, ici on ne peut pas changer la caméra. Je veux dire par là où on ne peut pas la positionner là où on le voudrait, où on le souhaiterait. J'ai envie de la placer au-dessus de ma tête, au-dessus de la moto, pour anticiper les sphères à récolter, tout ça. Vous savez un peu ce que j'ai là par là? Bah là, on ne peut pas. Faudra juste placer comme ça la caméra à des endroits, à des positions prédéfinies dans le jeu. C'est tout. On ne pourra que tenter de ça. Et bah, c'est un véritable défaut, un véritable reproche, hein, que je ferai au jeu, puisque c'est très 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 gavant et oh là là, d'autant plus frustrant. Oh 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 oh, c'est pas vrai. Je comprends pas pourquoi des moments avec les planches ici, eh bien la moto de Tommy, eh bien elle part dans tous les sens. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est hyper frustrant. C'est la sphère ici que j'ai le plus galéré pour l'obtenir justement. Ah d'accord, je l'ai eu. Bon bah je me tais parce que là je suis très surpris. Alors ah oui, vous allez vous dire aussi, comme il n'y a pas de limite de temps, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, bah il n'y aura pas de challenge pour vous. Et c'est normal. Il n'y aura pas de... pas de challenge pour moi et pas de suspense pour vous. Ne rassurez-vous, il y en aura bien une. Je me suis imposé une limite de temps. Mon score tout simplement. J'avais terminé cette course en 5 minutes de temps. Eh bien, je dois faire moins pour valider l'épreuve. Si je termine avec plus de 5 minutes ou égal, bah du coup, j'aurais perdu. C'est tout simple, et vous avez bien compris, et retenez bien cela. Hein. Du coup, bien, je dois tout récupérer les sphères avant les 5 minutes. Ce qui peut être faisable, certes, mais on peut aussi perdre considérablement du temps, rien que pour une seule sphère. Et je pense à une particulière qui est juste après. Pas celle-ci encore, elle est assez aisée à voir. Attention. Voilà, je vous l'ai dit, hein, pas trop dur, rien de bien sensible, ça compte, c'est celle-ci. À vue d'œil, on dirait pas, mais pourtant, oui. Encore une fois, c'est à peu près la même que l'autre que je vous disais que j'aurais galéré longtemps et que ce n'a pas été le cas. Est-ce que là, je vais galérer longtemps? Ben, je crois bien, hein. Enfin, bien, hein. Ah, da-da-da-da ! La moto qui part dans tous les sens, hein, je comprends pas ça, je comprends pas. Voilà. Et du coup, ça va me faire perdre considérablement du temps parce que j'ai toujours galéré à l'obtenir. Voilà, c'est très frustrant. Et le temps que Tommy tombe et qu'il se relève tout ça, qu'il remonte à bord de sa moto, bah il tombe quoi. Ah là 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 là. Attention, attention. Je sais pas comment on peut. Ah là là là. Oh dommage. Il faut vraiment vraiment être très 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 précis. Hein. C'est rigoureux. C'est d'une rigueur incroyable. Ah ouais ouais. C'est allez, c'est pas grave, tu le refais. Ah là là. Allez, allez. Voilà. Et même si on veut y aller tout doucement. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. J'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Elle a été validée. Yes. 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 Ah ah. Ouais, bien joué, bien joué. Il me reste encore une en dehors du terrain. Et après, je pourrai les récolter toutes, normalement. Ouais, bien joué, bien joué. Alors, dans San Andreas, il y avait de l'habilité au volant, mais également en moto. Et plus on roulait longtemps avec sa moto, plus on débloquait de l'habilité. Et plus on en avait, moins on tombait de sa moto. Du coup, ça facilitait grandement la tâche, hein, n'est-ce pas? Et bien ici, pas du tout. Puisque vous pouvez rouler des heures et des heures, qu'il n'y aura toujours pas de... vous tomberez aussi facilement que dès les premiers instants du jeu. C'est dommage, mais c'est ainsi. Il n'y avait pas encore cette nouveauté, hein, d'habilité au volant, tout cela. Et également que dans San Andreas, on pouvait varier la caméra là où on le souhaitait. On pouvait la mettre en hauteur, l'orienter là où on le désirait, là où on le souhaitait. Et ça rajoutait à plus de... Ah, c'était plus simple pour nous. Ça a dû nous faire plaisir à beaucoup de fans, justement, d'avoir ces fonctionnalités-là qui ont été rajoutées, justement. Hein. Ça fait vraiment réellement plaisir. Attention, je vais me mettre sur pause avant de récupérer la sphère pour vous prouver mon score. Vous pourriez vous dire, ouais, c'est ça, espèce de mytho, c'est pas vrai, etc. Regardez bien le temps que j'avais fait précédemment, pour ce défi. C'est parti. Attention, il s'appelle Dotwine, c'est ça? Voilà. Attendez, voilà, regardez bien. Meilleur temps sur Dotwine et 5 minutes, pile. Et maintenant, ça fera, voilà, 4 minutes 17. Alors, je sais très bien que je suis très surpris.
J'en reviens pas que j'ai réussi l'épreuve. Ah, je suis étonné. Ah ouais, je suis étonné. Oui, j'allais vous dire que... Alors, comment vous dire si vous avez vous-même... Vous êtes rien, vous ne retenez pas vos scores dans le jeu, c'est normal. Mais si vous avez encore une sauvegarde de ce jeu, vous avez déjà réussi l'épreuve, vous me direz votre score. Je sais très bien qu'il y en a qui ont largement fait mieux que moi, car ils ont perdu nettement moins de temps. Mais je m'en moque. L'idée, c'est que je devais faire un nouveau score, un nouveau record. Je suis agréablement surpris que j'ai réussi. Je n'en reviens pas, honnêtement. Voilà. Vous me direz tout cela en commentaire, moi je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien, et j'espère que me voir rager vous a un petit peu fait sourire, légèrement, ou alors rire grandement. Salut, portez-vous bien, couvrez-vous bien, bye.